Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute première vidéo où il va être question de divination à travers les tarots, les tarots qui vont vous permettre de répondre à certaines questions, préoccupations du moment, qu'ils soient de votre travail, de votre vie financière. Vous avez la possibilité de poster vos messages, vos questions directement via le site guide voyancecom ou bien directement sur mon site internet stanislasdelorme.com. Je tiens à rappeler qu'ici, qu il ne s'agit pas d'une véritable voyance, comme vous pourriez avoir avec moi en face à face, en cabinet, ou bien par téléphone. Ici, il s'agit surtout d'une lecture du tarot, mais qui va vous permettre d'aborder euh, très rapidement certaines questions ou préoccupations de votre existence. Aujourd'hui, c'est Magali qui nous a envoyé un message et elle se pose la question de savoir si elle va obtenir une mutation professionnelle. Alors, on va commencer par, euh, par mélanger le jeu, tout en se concentrant sur la question de Magali. Est-ce que Magali va pouvoir obtenir sa mutation professionnelle Ah très intéressante très intéressante cette, cette carte de coupe de carte de coupe c'est le mât. le mât, ben, comme on le voit on voit un petit bonhomme avec un baluchon et qui s'en va eh bien c'est très 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 explicite cette carte car elle représente l'état d'esprit de makali, de makali au niveau de, du moment donc il y a vraiment vraiment une intention de, de, de changement qui ressort à l'état présent c'est vraiment une une carte qui a un que la question du mouvement. On va étaler le jeu et tout en se concentrant sur la question de Magali, eh bien, on va on va prendre quatre cartes du tarot. Voilà, donc nous avons la tempérance, l'empereur, le pendu et le pape. Alors, on va regarder tout de suite l'interprétation de ces différentes cartes. Alors, nous avons la première carte. La première carte, c'est la tempérance. Euh, c'est la tempérance. Cette carte indique, euh, eh bien Magali, vous avez peut-être été trop vite ou vous avez une certaine impatience dans vos, euh, dans vos démarches peut-être peut-être quelques quelques maladresses. Alors il va falloir recentrer un petit peu la situation, faire le point, temporiser comme comme le nom indique de cette carte et donc c'est une carte qui envoie des influx impaisants. Elle conseille de de souffler un peu, de marquer une pause et de changer votre de votre fusil d'épaule. Elle symbolise la prudence et annonce aussi quelques retards. La deuxième carte de ce tirage, eh bien, c'est l'empereur. L'empereur, une carte très protectrice, une carte qui indique souvent le côté de la stabilité et elle symbolise également le côté, euh, le côté masculin. Donc euh, ça veut dire que Magali, vous allez bénéficier de, euh, de soutien, d'appui euh, important et peut-être probablement venant de la part d'un homme, parce que cette, cette carte représente... Le côté de, de la masculinité et puis cette carte représente aussi une certaine forme de stabilité au niveau de votre vie professionnelle. La troisième carte, et eh bien c'est le pendu. Ce pendu représente un petit peu votre état d'esprit, vos pensées. Elle indique souvent une situation de de, de mal-être en quelque sorte. C'est comme s'il y a un petit peu des difficultés au niveau de l'ambiance, de l'environnement. Vous sentez plus en harmonie avec votre situation professionnelle. Actuel. Il y a vraiment une notion de, de mal-être et pourquoi pas euh, dire qu'il y a une situation de crise parce que le pendu ça représente la situation de crise. Ça veut dire que votre travail, votre situation dans laquelle vous êtes, euh, ben on y va un petit peu à reculons. Il y a vraiment une notion de mal-être, de, de ras-le-bol, euh, d'accumulation. Et puis si votre question, ben vous demandez une, une certaine mutation, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir une autre vie ailleurs, également sur un plan personnel et pas uniquement sur un plan professionnel. Et la dernière carte, eh c'est le pape. Le pape, une carte extrêmement euh, positive pour vous. Ça apporte le couronnement, le résultat de votre, euh, de votre situation. En fait, le pape, c'est un peu comme le, le symbole de la bénédiction. Et donc, ça veut dire qu'il y a le couronnement d'une réussite sur le plan professionnel et comme votre question a été plutôt précise, eh bien, elle répond affirmativement à votre question donc de savoir si vous allez obtenir une mutation. Oui, cette carte euh, répond à une affirmation euh, positive de votre de votre situation euh, professionnelle. Alors, il est toujours difficile de donner des notions de, de date au niveau, euh, au niveau du tirage du tarot, mais sachez qu'un tirage comme celui-ci, à quatre cartes, répond bien souvent à une question sur un avenir relativement proche. Et euh, quand on y proche, ça peut être dans quelques mois, en tout cas dans moins d'une année, votre situation professionnelle, Magali, va changer professionnellement. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, je résume, il y a une remise en question qui ressort avec la tempérance par rapport au niveau de vos démarches. Je suppose que ça fait un, un petit moment que vous faites des démarches au niveau de votre de votre vie professionnelle. Elles n'ont pas été fructueuses jusqu'à présent. Il va falloir remettre les choses. En question, l'empereur, vous bénéficiez d'un appui important. Vous allez peut-être avoir un contact avec un homme, une personne, ou peut-être que vous avez fait une démarche un petit peu particulière ou que vous ferez une démarche particulière et qui va vous aider. Le pendu, ben, c'est votre état d'esprit, c'est l'état un petit peu du moment, le côté mal-être, l'accumulation un petit peu des, des difficultés, et le pape indique quand même le sens d'une réussite et d'un mieux-être pour vous sur le plan professionnel, donc vous obtiendrez votre mutation, et celle-ci s'avère effectivement positif, en tout cas un très bon choix pour vous, pour votre évolution professionnelle. Voilà, si comme Magali, eh bien, vous vous posez des questions sur votre avenir, sur certaines petites préoccupations, certaines questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message à travers le site guidelavoyance.com ou stanislasdelorme.com dans la rubrique euh, Divination par, euh, par les tarots. Et je me permettrai de vous répondre directement si votre message est bien sûr sélectionné. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.